Petite astuce pour tous ceux qui sont sur le point d'abandonner leur carrière d'acteur parce qu'ils pensent qu'ils vont jamais y arriver parce qu'ils pensent qu'ils vont jamais réussir à percer. Moi personnellement, dans ces moments-là, eh bien, j'aime bien me rappeler qu'on n'est pas à l'école. À l'école, on nous apprend que soit on réussit, soit on échoue. Cette espèce de dualité, soit on est un, un gagnant, soit on, on est un perdant. La réalité, et c'est particulièrement vrai dans le milieu du cinéma, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas réussir sans échouer. J'aime bien prendre cette métaphore du gamin qui apprend à faire du vélo. Première fois, il monte, il essaye, il tombe. Deuxième fois, il monte, il essaye, il tombe. Troisième fois, il monte, il essaye, ah, il commence à rouler un peu plus, il tombe. Ainsi de suite, et puis à un moment donné, il tombe plus. Et c'est vraiment important de comprendre que pour pouvoir réussir à un moment donné à faire quelque chose, et par exemple une carrière d'acteur, eh bien on doit d'abord échouer dans ce même quelque chose. Typiquement, quand vous faites un casting, et qu'on vous dit, bah, écoute, t'es nul à chier, mon gars, rentre chez toi, ça ne sert à rien, tu seras jamais acteur. Ou quand vous allez sur un tournage et qu'on vous a demandé de faire une scène et que vous n'y êtes jamais arrivé, on vous a demandé de trouver une émotion, vous n'y êtes jamais arrivé, on vous a dit franchement, tu te prétends être acteur, mais t'es rien du tout, mon gars. Quand il y a quelqu'un qui vous a dit très sérieusement, les yeux dans les yeux, change de métier et tu arriveras pas. Ou quand ça fait 6 mois, 9 mois que vous ne chopez pas un seul rôle, que vous êtes chez vous à attendre, rappelez-vous que chacun de ces éléments, c'est un échec qui vous apprend à réussir. À chacun de ces éléments, vous apprenez à devenir acteur. C'est en échouant qu'on apprend les choses. C'est en faisant un mauvais casting, deux mauvais castings, qu'on tire des leçons et que la fois suivante, on fait un meilleur casting. Et donc, l'erreur pour moi, c'est de s'identifier à ces échecs-là, se dire, ah, j'ai fait un mauvais casting, donc je suis mauvais. Je comprends pas, j'ai travaillé pendant un an mon jeu, j'étais sur un tournage, j'ai fait de la merde, donc c'est que je suis mauvais. Non. Tu es juste en train d'apprendre le métier, mon gars. Tu vois ce que je veux dire le, le gamin qui est tombé de son vélo, eh bien, il est tombé, c'est ok, il va se relever. Il ne doit pas se dire euh, ⁇ Ah merde, je suis tombé, donc je ne ferai jamais du vélo ⁇ Non, tu remontes sur ton vélo, tu y retournes. Dernièrement, j'étais voir une masterclass de Xavier Duringer, excellent réalisateur, et une phrase que j'ai adorée quand un jeune lui a demandé comment devenir acteur. Il a dit ⁇ Aujourd'hui, c'est très simple. Pour devenir acteur, il suffit de pas abandonner. Il suffit de persister. Parce que tout simplement, tous ceux qui veulent devenir acteur abandonnent à un moment donné ou à un autre. Donc si vous continuez, vous y arriverez. Et moi, je crois dur comme faire là-dedans. Donc à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, à chaque fois que je pourrais avoir ces petites idées noires qui traînent dans ma tête, eh ben, je me rappelle que c'est OK. Je suis juste en train d'apprendre le métier. Et à force de persister, je vais y arriver. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous. Je vous dis à très vite pour un autre format court. Ciao